Amen. I was searching for a quote yesterday. Hier, je recherchais une And I said citation. I'd share it this morning. J'ai dit que j'allais en parler ce matin. You have first selected messages in German? On a un First. message choisi volume 1 en allemand. Okay. So I'll give the. So I'll give the original reference first. Donc, on donne la It's référence Review and d'origine. Herald. C'est Review and Herald. November 22nd, Le 22 novembre 1892, paragraph 1882, 7. paragraphe 7. Yep, Review and Herald, November 22nd, 1892, paragraph 7. That's the original one, but I'll give it in first selected messages because that's the one that you Donc have ça c'est translated. l'original, mais je vais vous le donner dans Message choisi volume 1. So this is 1 SM. C'est Message choisi volume 1. 362. 362 en anglais. Paragraph 4. Et c'est le paragraphe 4. Before we gave an 1888 reference, if you remember. Avant, nous avons donné une référence de 1888, 1430, si vous vous rappelez. So this same one is also in 1888. Et la même aussi se trouve dans It's 1073.4. But you don't need that reference because I've given you. So in first selected messages, the title is The Beginning of the Loud Cry. Donc, dans premier message choisi volume 1, le titre du chapitre, c'est Le commencement du grand cri. En français, c'est message choisi volume 1, 425.2. Message choisi volume 1, 425.2. All good? Let everyone who claims to believe that the Lord is soon coming, search the scriptures as never before. Que tous ceux qui croient, qui déclarent que croire que le Seigneur arrive bientôt, sondent les Écritures comme jamais auparavant. Satan is determined to try to deceive, if possible, to keep to try to. Satan is determined to try every device possible to keep souls in darkness and blind the mind to the perils of the times in which we are living. Satan est déterminé à essayer toute ruse possible pour garder les âmes dans les ténèbres et aveugler les esprits dans ces temps périlleux dans lesquels nous vivons. Let every believer take up his Bible with earnest prayer that he may be enlightened by the Holy Spirit as to what is truth. Que chaque croyant puisse prendre sa Bible avec une prière sincère afin qu'il puisse être éclairé par le Saint-Esprit pour savoir ce qu'est la vérité, afin qu'il puisse savoir plus de Dieu et de Jésus-Christ qui l'a envoyé. Search for the truth as for hidden treasures. Sonder, chercher la vérité comme pour des trésors cachés. The time of test is just upon us. Le temps du test est juste devant nous. For the loud cry of the third angel has already begun, Car the le grand cri. revelation of the righteousness of Christ. Car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ. Time of test is just upon us, for the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of the righteousness of Christ.
Alors, le temps de test This est is juste the beginning devant of the nous, light car of le the Grand Prix du angel troisième whose ange. glory shall fill the whole earth. Alors, c'est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire doit remplir toute la terre. For it is the work of everyone to whom the message of warning has come to lift up Jesus, to present him to the world as revealed. We'll stop there. Car c'est l'œuvre de chacun pour qui le message d'avertissement est venu d'élever Jésus. So Jesus is revealed to the world in types, in Donc, shadows, in symbols, and in the revelation of the prophets. Alors Jésus est révélé au monde en type, en symbole, en nombre. Et dans la manifestation des révélations des prophètes. Okay. Es ist Offenbarung der Propheten. In Je den Lehren an die anglais. Jünger und in den für Menschen gewirkten Wundern geoffenbart worden ist. Sucht in der Schrift, denn sie ist, die von ihm zeugt. Also es ist FG1382.3. I just said the reference also. No. Okay, so let's start again then. Donc, on va comment recommencer. It is the work of everyone to whom the message of warning has come to lift up Jesus. Alors, c'est l'œuvre de tout le monde à qui le message d'avertissement est venu d'élever Jésus, to the world, de le présenter au monde in types, en type, as shadowed symbols, dans les ombres des symboles. Yeah. As manifested in the revelations of the prophets, comme manifesté dans la révélation des prophètes, and veiled in the lessons given to his disciples, dévoilé dans les leçons données à ses disciples, and in the wonderful miracles wrought for the sons of men, et dans les merveilleux miracles qu'il a présentés aux fils des hommes. If you would stand through the time of trouble, et s'il vous fallait vous tenir dans le temps de trouble, you must know Christ. Vous devez connaître Christ the gift of his righteousness et vous approprier le don de sa justice impute to the repentant sinner. Qu'il a imputé aux pécheurs repentants. So we'll just go through this a little bit. On va regarder à cela un peu. The last sentence that we read, we'll just address one point there. Et la dernière phrase qu'on a lue, on va juste en parler. So I don't know how it's translated in the German. Je ne sais pas comment cela est traduit en allemand. It says, if you want to stand through the time of trouble, il nous dit, si on veut tenir dans le temps de trouble, you have to know Christ. Il nous faut connaître Christ. It says, and you must appropriate the gift of his righteousness. Et on doit s'approprier du don de sa justice. So that word appropriate, et ce mot-là, approprié, means to accept or to receive. Ça veut dire accepter ou recevoir. Is that translated? Because normally the word appropriate in English has a different meaning. This is an archaic form of the word. Et là, en principe, le mot approprié a une autre signification and en anglais. Là, c'est une traduction. That means we have to receive it. On doit s'approprier le don de son, de sa justice. On doit le recevoir. Which he imputes to the repentant sinner. Qu'il a imputé au pécheur repentant. Impute means to give. Ça veut dire qu'il a donné, imputé. So we must accept the gift of righteousness that he gives to us. Nous devrions accepter le don de la justice qu'il nous a donné. And all of that must happen before the time of trouble. Et tout cela doit se passer avant le temps de trouble. So if we were to fractalize this, s'il nous faut fractaliser cela, we're already in the time of trouble. Nous sommes déjà dans le temps de trouble. So that means we cela must have already previously ça veut dire que auparavant, accepted his gift, on a dû déjà accepter son which don he was willing to give to us. Qu'il était consentant à nous donner. We're not looking at the dictionary definition of imputing
and imparting. We could do that, but we're not going to. Nous ne regardons pas une définition du dictionnaire pour le mot impartir. On aurait pu le faire. If you go back to the beginning, si vous retournez au commencement, it says we're supposed to search the scriptures in a way that we haven't done before. Il dit qu'on est supposé sonder les écritures d'une façon qu'on n'a jamais fait auparavant. Satan is trying to keep people in darkness. Satan essaie de garder les personnes dans les ténèbres. And when he's trying to keep us in darkness, darkness about what issue? Les ténèbres au sujet de quel point? What's he trying to keep us in the dark about? Dans quoi il veut nous laisser dans les ténèbres? Il veut qu'on reste dans les ténèbres au sujet de quoi? So in the second, we're in the first sentence, the second part. Nous sommes dans la première phrase, says, la deuxième partie. The mind to the perils of the times in which we are living. Il dit aveugler l'esprit des périls dans lesquels nous vivons. Because Jesus is coming soon, we're supposed to be doing something. Parce que Jésus arrive bientôt, nous sommes supposés faire quelque in chose. In the time period before his coming. Dans la période de temps avant sa venue. And if you connect the beginning sentence to the last sentence. Et si vous connectez le commencement de la phrase avec la dernière. The times in which we're living. Le temps dans lequel nous vivons. Are not only before the second coming. Ce n'est pas avant la deuxième venue. They're before the time of trouble. Le temps dans lequel nous vivons, c'est avant le temps de trouble. We already know. On le sait déjà. The Sunday law hasn't been given yet. On sait que la loi du dimanche n'a pas encore été donnée. This is 1892. The Sunday law, as Ellen White describes it, hasn't been, isn't a subject of. La loi isn't du dimanche. The test that's come upon society yet. Le test n'est pas encore venu sur la société là. So they're living in perilous times and Satan is making them blind to this issue. Ils vivent dans des temps périlleux mais Satan les rend aveugles au sujet de ces questions. We're supposed to read the Bible in a way that we have never read it before. Nous sommes supposés lire la Bible d'une façon dont nous n'avons jamais lu auparavant. And we're supposed to find hidden treasures. Et nous sommes supposés trouver des trésors cachés. Now you need to remember, Ellen White's alive. Et il faut vous rappeler qu'Ellen White est en vie. This is the same generation that there are people alive here who are alive in the Millerite history. Là, il faut qu'on sache que c'est la même génération. Il y a des personnes qui sont en vie là dans cette période de temps qui étaient déjà and dans Ellen White's given l'histoire all this instruction from 1844 to 1850 to 1863. Ellen White donne des instructions toujours sur 1844, 1850, 1863. Jones and Wagner have been raised up. It's been 4 years. Ça fait 4 ans que Jones et Wagner ont été since they've been raised up. This is 92. From 88. Parce que là, on est. Ellen White écrit dans les années 1892 et Ellen White a fait John, c'est 1888. Et il y a des vérités cachées qu'on doit trouver. Still things that they don't understand. Il y a encore des choses qu'ils ne comprennent pas. She says the time of test is just upon us. Elle dit que le temps de test est juste devant nous. That test. Et ce test. Contextually has to be the Sunday law. Ça doit être de façon contextuelle la and loi she du says, dimanche. The reason we know that. Et elle dit la raison pour laquelle nous le savons. Is because the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of the righteousness of Christ. Elle dit que c'est le grand cri du troisième ange a déjà été donné dans la révélation de Jésus-Christ. In the revelation of Christ's righteousness. Dans la révélation de la justice de Christ. The sin pardoning Redeemer. Le rédempteur qui pardonne les péchés. So she's
I think this is the only place where she connects the sin-pardoning Redeemer, the righteous Christ. Et je crois que c'est le seul endroit où elle va connecter le Rédempteur qui pardonne les péchés. With the loud cry. Avec le grand cri angel. Du troisième ange. So I'll just read that again. The time of test is just upon us, for the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of the righteousness of Christ. Alors, au milieu du paragraphe, le temps de test est juste devant nous, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ. Hat bereits eingesetzt und die Gerechtigkeit Christi des sündenvergebenen Erlösers offenbart. She says, this is the beginning of the light of the angel whose glory shall fill the whole earth. Et en anglais, toujours, il nous a dit, c'est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire doit remplir toute la terre. Erde erleuchtet wird, hat begonnen zu scheinen. It wasn't my intention to start drawing lines out on this, these few sentences. Ce n'était pas mon intention de tirer des lignes sur ces quelques lignes, quelques phrases. If you compare this statement, mais si vous comparez cette déclaration to what she says in early writings, dans ce qu'elle dit dans premiers écrits, the chapter The Loud Cry, le chapitre Le Grand Cri, beginning page 277. À la page 277, le début, ça commence là. And you compare it also to Great Controversy. Et on le compare aussi chapter avec 38, la grande controverse, le chapitre 38, l'avertissement final. Page 603. La page 603 en français. Those two passages which say the same thing. 655. Elle compare ces chapitres. And you compare it to this statement. Et vous comparez ces chapitres avec cette phrase. The other two, early writings of great controversy, avec premiers écrits 277 et Tragédie des sexes 655. We've already proven. On a déjà prouvé. I think we did it here at the school. Et je pense que nous l'avons fait ici à la. The loud cry of the third angel. Le grand cri du troisième ange. And the beginning work of the light of the angel. Et l'œuvre du début de cet ange qui est glorieux, fills its glory, qui remplit la terre de sa gloire, that event is the Sunday law. Cet événement, c'est la loi du dimanche. We can easily demonstrate that. On peut le montrer facilement. White says, pourtant, là, Ellen White a dit, that event cet événement is before us, it's not here yet. Elle dit, c'est devant nous, il n'est pas encore là. The time of test le is temps just de test. Upon us. Et la Noire dit, le temps de test est devant nous. So, as I said, I didn't want to dwell too much upon that, but the point I wanted us to see. Comme tu dis, je ne veux pas faire grand-chose à ce sujet, mais ce que je veux qu'on for voit. For it is the work of everyone c'est l'œuvre de to tout whom le monde. The message of warning has come. À qui l'avertissement, le message d'avertissement est venu d'élever Jésus. Jetzt ist es die Aufgabe aller denen, zu denen die Warnungsbotschaft durchgedrungen ist, auf Jesus hinzuweisen. And to present him to the world. Und et de le présenter au monde. As revealed in types. Comme il est révélé en types. Durch Typen. Symbols. Symbolen. En type, the symbole, revelations of the prophets, dans la révélation des prophètes, the lessons he gave to his disciples, les leçons qu'il a données aux disciples, and the miracles he did when he was here on earth. Et les miracles qu'il a fait quand il était sur terre. So we're supposed to explain to people this Christ using these five methods. Il faut donc expliquer aux gens ce Christ avec ses cinq méthodes. And out of those five, et de ces cinq, which are the two that most people focus upon? Et quelles sont les deux choses que les gens se focalisent, sur lesquelles les gens se focalisent? It's not right translated. Types, symbols, symbols, revelations, lessons, miracles. Alors, les cinq choses, c'est les types, les symboles, les révélations des prophètes, les leçons de nos aux disciples et les miracles sur terre.
Quelles sont les deux choses sur lesquelles les gens se focalisent pour présenter Christ? But in German is one. Also die Deutschen haben zwei der Taten Jesu zusammengefasst. So which are the ones that people most often focus upon? Les gens se focalisent le plus sur lesquels? Miracles. Les miracles. So it's the miracles. Donc les miracles. Or the revelation. Et non, les leçons de nos disciples. The teachings to his disciples. Les enseignements aux disciples. They're going to go to the four gospels. Ils iront dans les quatre évangiles. When Christ was born. Où Christ est né. And died, and they focus upon the lessons that he gave. Les gens se focalisent sur les leçons qu'il a données et les miracles. Turn to the types, the symbols. On ne va pas dans les types, and les the symboles of the prophets, et la révélation which des is prophètes. The other 62 books. C'est les autres 66 livres. That's what I wanted us to see. Et c'est ce que je voulais qu'on voit. When you find Christ in those other places, quand on trouve Christ dans ces autres endroits, you can find Christ in all the relationships of human beings. On peut le trouver dans toutes les relations des êtres humains. And because they are shadowed in symbols, puisque c'est dans l'ombre des symboles, to be a wife or a mother or a daughter. Donc c'est difficile de le voir en tant que mère, femme, slave. Esclave. You don't have to only go to the gospels. Donc on n'a pas besoin d'aller que dans les évangiles. Find Christ who doesn't fulfill all the relationships of humanity. Pour dire que Christ n'accomplit pas toute la relation de l'humanité. And this is why people today struggle. Et c'est pour ça que Christ, les gens luttent aujourd'hui. Because they see Christ as very male-centric. He's always a man. Parce qu'ils voient toujours Christ comme étant un homme, centré sur l'homme. Because he speaks to his disciples. Parce qu'il parle à ses disciples. And they're only focusing upon Christ of the Gospels. Car les gens se focalisent que dans le Christ des évangiles. They're not focusing upon the Christ that's found in all the other books of the scriptures. Les personnes ne se focalisent pas dans cet autre Christ qui se trouve dans tous les autres livres des Écritures. So, I'd like to go back to the passage that we were reading. Alors, j'aimerais retourner dans le passage que nous lisions. This one here, 1888, on retourne dans le passage 1888-1430.2. So we've discussed how God created mind. On a discuté de la façon dont Dieu a créé l'esprit. It was his mind that he created. C'était donc son esprit qu'il a créé. And his mind is revealed both in the creation of humanity and in the redemption of them. Son esprit est révélé dans la création et la rédemption de l'humanité. And this redemption, et cette rédemption, is not just seeing how God saves us. Ce n'est pas de, ne consiste pas à voir de quelle façon Dieu nous sauve. It's also seen seulement in how human beings relate to one another. C'est vu aussi dans les relations des uns avec les uns avec les autres. So, has Elder Test discussed this subject? Est-ce que l'Ancien Test a discuté de ce sujet? To see how God's mind, pour voir de quelle façon l'Esprit de Dieu is revealed in redemption. Est révélé dans la rédemption. It's a question. C'est une question, oui. So I'm asking like that, and the answer is yes, she has. Je pose la question de cette façon, la réponse est oui, elle l'a fait. Explain. Alors explique. Show me how she has Montre-moi comment elle demonstrated a fait. This.
explained it. You have to know what the word redemption means. Tu dois savoir que signifie le mot rédemption. Has Elder Test in her studies shown l'ancien test dans ses how études a-t-elle God's montré mind is revealed in the redemption of human beings. Comment l'esprit de Dieu est révélé dans la rédemption des êtres humains? The answer is yes. La réponse est oui. Yeah. I would go with the subject of equality, but I'm not sure if I would. J'aurais été dans le sujet de l'égalité, mais je suis pas sûr que c'est ça. So, how would we normally read a passage like this? Alors comment lisons-nous un passage tel que celui-là? So we'd go to the Gospels. Nous allons dans l'Évangile. And we'd see Christ with all his teachings to his disciples and the miracles that he did. Nous voyons Christ enseigner à ses disciples les miracles qu'il a fait. And we'd see that God is showing us how he will redeem us. Et on voit comment Dieu va nous montrer de quelle façon il va nous racheter. He's so nice, he's so forgiving. Il est si gentil, si And he says, pardonne. Just be like me, it'll all be good. Et dis sois comme moi et tout sera bien. And most people, la majorité des gens, when they read such statements, they have a warm, fuzzy feeling. Quand ils lisent ce genre de citation, ils ont un sentiment bizarre. But they're not sure how to bring these things into practical life. Mais ils ne savent pas comment amener ces choses dans une vie pratique. If we take the subject of slavery. Si nous prenons le sujet de l'esclavage. Slavery was something that was wrong. L'esclavage, c'est quelque chose qui était and mauvais. And we need to move away from a model of slavery. Et nous fallait nous départir de ce modèle de l'esclavage. To what? Vers quoi? One of the other four. You just said move away from slavery to equality. On fallait qu'on sorte de l'esclavage pour aller vers l'égalité. Quickly degenerates into slavery. Donc l'égalité aurait pu dégénérer rapidement dans l'esclavage. It gets really, really bad. Et aller très, très, être très mauvais. Slavery. L'esclavage aurait pu être très, très mauvais. I mean, it might start off with headship. Ça peut commencer par donc une personne qui a la tête. To having poor people in your society serve you. Et avoir donc des personnes pauvres dans la société qui vous servent. To killing your enemies and taking their children and making them slaves. Ou prendre vos ennemis, tuer vos ennemis, prendre leurs enfants et bis faire de ces enfants sie, vos esclaves. Kill. Tötest und sie als Sklaven benutzt. Bis dorthin, wo du deine Feinde tötest und sie zu Sklaven. Und die Kinder zu Sklaven. How did slavery come to an end? De quelle façon l'esclavage est arrivé à sa fin? Did it work by Jesus saying, "Be nice to one another"? Le fait de dire sois gentil, bien gentil les uns avec les autres. Didn't work that way. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Taken hundreds, if not thousands, of years. Ça a pris des centaines, voire des milliers d'années. To get to a place where slavery, for the most part, is an unacceptable relationship. Pour montrer que l'esclavage est inacceptable, I'm not saying it doesn't exist. Je dis pas que ça n'existe pas. But it's most people would find it unacceptable. Mais la majorité des personnes trouvent l'esclavage inacceptable. And how did we get to the place where we have arrivés? Been redeemed from this ugly relationship? À l'endroit où comment avons-nous été donc rattachés de cette mauvaise relation, rachetés de cette mauvaise relation? Well, people stood up and said this is not right. Des personnes se sont levées clamant so que ce n'était pas une bonne chose. Les gens se sont they not only said it wasn't right. Ils n'ont pas seulement dit que ce n'était pas juste.
They fought against it. Ils se sont battus. And they were willing to give their lives for this subject. Ils étaient prêts à, ils étaient consentants à abandonner leur vie pour ce sujet. Where did they get these thoughts, these ideas from? D'où ont-ils pris cette idée? That they were willing qu'ils étaient prêts to lay down their life à donner for this leur cause. Vie. Where did that way of thinking come from? D'où est venue cette façon de penser? It was already in them because they already had the mind of God. Ils avaient déjà l'esprit de Dieu. And the glory of God was revealed in those people. A été révélé dans ces personnes when they took up the struggle quand ils ont pris cette lutte to destroy or to put away slavery. Quand ils ont voulu détruire et mettre de côté l'esclavage. So whilst we can read a passage like this and think this is God sending Jesus and all being nice. Alors, quand on lit un passage tel que celui-ci, et on croit que c'est Dieu qui envoie Jésus et qui doit être gentil, what I want us to see, ce que j'aimerais que nous puissions voir, is that human beings, c'est que les êtres humains, because they already have the mind of God, parce qu'ils ont déjà l'esprit de Dieu, know how to redeem. Savent comment racheter. They know how to bring humanity back to its original condition. Ils savent comment ramener l'humanité dans sa condition d'origine. It's already inbuilt into our minds. C'est déjà bâti dans notre esprit. So not only do we see his mind in the creation of human beings. On voit non seulement l'esprit de Dieu dans la création de l'être humain. Human beings know how to fix the problem. Mais les hommes savent comment régler le problème. I think Christians find that hard to accept. Et je pense que les chrétiens ont du mal à accepter cela. Why? Why do we find that hard to believe that, pourquoi, that human beings can fix the problem? Pourquoi avons-nous du mal à croire que les êtres humains peuvent régler les problèmes? It seems too easy to us. Ça nous semble trop facile. If you were to fix the problem, si on doit régler les problèmes, how would you do it? Comment on l'aurait fait? How would you fix the problem of slavery? Comment on aurait réglé le problème de l'esclavage? You go to a slave owner and say, I think it's a good idea to love your neighbor as yourself and let your slaves go. Je pense que c'est une bonne idée d'aimer ton tes esclaves ou ton prochain comme toi-même et de laisser partir tes esclaves. Laws. Ça va fonctionner? Non. C'est à travers les lois. You know as well as me. Vous le savez aussi bien que moi. Even in the most righteous countries. Même dans le pays le plus juste. Rich people make laws. Les personnes riches font les lois. Manipulate laws. Manipulent les lois. They bribe politicians. Ils achètent les politiciens. So you can have laws to do it. Vous pouvez avoir des lois pour le faire. But it sounds very easy to say that. In reality, it's not that straightforward. Ça semble facile à dire, mais dans la réalité, c'est pas aussi direct. How are you going to get your laws passed? Comment faire que votre loi elle passe? Slave owner doesn't want it done. Parce que les propriétaires d'esclaves ne veulent pas que cette loi ne soit votée. Ils ne veulent pas que les choses changent. They got more money than you have. Et ils ont bien sûr plus d'argent que vous. So they're not going to get the politicians to change the law. Donc ils ne vont pas faire en sorte que les politiciens changent les lois. So how are you going to get the laws changed? Alors comment la loi va-t-elle changer? Groups. Grassroots groups. What is that in German? Das sind so aktivistische Gruppen sozusagen. So you have to become an activist.
faut demander, il faut devenir un activiste. You have to become. Mais quel type d'activiste il vous faut être? Rebelle. Yes, a good one and a rebellious one. Un bon activiste rebelle. An activist. Un activiste. Are you going to put a placard up and say, Jesus loves you? Vous allez mettre un panneau disant Jésus vous aime? On va dire d'arrêter. Like Luther. Which one? Comme Luther. Luther. Welcher Martin Luther. He stand up and said, this is not okay what's going on here. Il s'est levé et a dit, c'est pas bien ce qui se passe ici. He make a piece of paper and put it in the on the church. Yeah, I thought you were speaking about another one. Okay. Que tu parlais d'un take Martin Luther. Luther King. Luther King. You have alors. To become an activist. Il faut devenir un activiste. And it won't, by definition, an activist is not a religious person. Un activiste ce n'est pas une personne religieuse. The what? Atheist? Oh. They're political. Ce sont des politiciens. And what are we being accused of today? Et aujourd'hui, on est accusé de quoi? We're being accused of shifting away from religion to politics. On est accusé de passer de la prophétie à la politique. And the reason for that. Et la raison pour cela, c'est que la citation de Message Choisi volume 1, le Christ que la majorité des Adventistes veulent présenter, is a Christ that gives good lessons to his disciples and does some miracles. Et le Christ qui donne de bonnes leçons à ses disciples et fait des miracles. It's not the Christ that's found in the rest of the scriptures. Ce n'est pas le Christ qu'on trouve dans les autres parties de l'écriture. So, the Christ that's found in the rest of the scriptures are real people. Parce que le Christ qu'on trouve dans les autres parties de l'écriture, ce sont des vraies personnes. Are symbolizing or representing God, Jesus. Qui représente Dieu, Jésus. And when we come to this quote, et quand on arrive dans cette citation, the one we have here, celle qu'on a ici, là, God's mind, l'Esprit de Dieu, isn't just revealed, n'est pas simplement révélé, Jesus when he came for those 3.5 years. En Jésus, quand il est venu pendant 3 ans et demi sur terre, it's humanity. C'est l'humanité. Over 6,000 years of history. C'est l'humanité durant 6,000 ans d'humanité. And the struggle that they have had. Et la lutte qu'ils ont. To represent God. Pour représenter Dieu. I gave one example, slavery. J'ai donné un exemple, l'esclavage. We'll go with another one. On va avec un autre women's exemple. Women's rights. Les droits des femmes. The right of women to be equal in society. Le droit des femmes d'être égales dans la société. Is that a necessary prerequisite before Christ returns? Est-ce un préacquis nécessaire avant le retour de Christ? Est-ce que c'est nécessaire avant que Christ arrive que les femmes soient égales dans la société? You got the word prerequisite, yeah? If you ask Ellen White, si on demande à Ellen White, que va-t-elle dire? No. Ellen White va dire non. Say it's not a prerequisite that men and women are equal. Elle va dire que c'est pas bon, peut-être quelque chose d'important, je sais pas. Prérequis que les femmes soient égales aux hommes avant le deuxième avènement. So the question is, la question est. Est-ce qu'elle a juste or incorrect. Ou incorrecte? So you say that she was correct for her time.
Tu dis qu'elle avait juste pour, elle était juste for en son our camp. Time. Mais pas pour notre époque. Why not for our time? Alors pourquoi pas dans notre époque? Because the test develops as well. Parce que le test s'est développé. And we've done slavery. We kind of everyone knows that lesson, and we're moving on to a higher level now. Parce que on a enlevé l'esclavage et maintenant on va dans un niveau encore plus haut maintenant. If you can accept that principle that Sister Tamina has just said, si on a, on peut accepter ce principe que Tamina vient de dire. Christ comes back in Ellen White's day. Christ revient dans les jours d'Ellen White. And she is content. Et elle, happy. Elle est contente. To tell you that he can come and you will not have equality between men and women. Elle est contente de dire que Jésus revient, peut revenir, mais il n'y aura pas d'égalité entre hommes et femmes. But you have to have equality between people of different color, black and white. Mais par contre, il faut une égalité entre les personnes de différentes couleurs, noir et blanc. That has to happen. Ça doit se passer. But even then, mais même là, what would she say about black and white people? Qu'est-ce qu'elle dit sur les noirs et les blancs? She believes still in segregation. Elle croit dans la ségrégation. Dans la ségrégation. Even if you say it's a pragmatic response to the situation. Et même si on dit que c'est une réponse pragmatique en raison de la situation. Maybe she wouldn't mind having a black daughter-in-law. Peut-être qu'elle aurait ce que lui importerait d'avoir une belle-fille noire. So maybe she doesn't have a personal problem with that. Peut-être qu'elle n'a pas de problème personnel avec cela. I'd hope not. J'espère que non. But she says it's not helpful. Mais elle dit que ce n'est pas aidant. Considering the political dynamic that they have in the country. En raison de la dynamique politique Jesus qui se passe coming dans le soon. Pays. Jésus arrive bientôt. And the political change that would be necessary. Les changements politiques qui seraient nécessaires. A black woman to marry a white man. Qu'un homme noir se marie avec une blanche. To a woman having equal rights to a man. Et pour qu'une femme ait les droits égaux, des droits égaux avec l'homme, ce changement prendrait trop de temps. Jesus is about to return. Jésus sur le point de revenir. Essentially puts those things to one side. Donc c'est pour ça on met ces choses-là d'un côté. I don't know how to say this. Whether you like that or you don't like it. Que vous l'aimez ou pas, je sais pas comment le dire. Was that? Is the explanation that I've just given? Est-ce que l'explication an accurate que je viens de donner representation est une, of what was going on? Est-ce que l'explication que j'ai donnée c'est une représentation juste de ce qui est en train de se passer? You have Jones here. Nous avons Jones là. And he is preaching and waxing eloquent. Et il prêche de façon éloquente. Using really fancy, good language. En utilisant vraiment un bon langage. Explaining the necessity of justification by faith. Expliquant la nécessité de la justification par la foi. And he's not tackling the issue of segregation. Et il n'aborde pas la question de la ségrégation. Or women's rights. Des droits des femmes. I haven't seen him do that. Je ne l'ai pas vu faire cela. He just talks about in this nebulous term that everybody's supposed to be good. Il en parle dans des termes nébuleux où les êtres humains sont censés être bons. Why is he not doing that if he's so fixated about being good? Pourquoi il est si fixé sur le fait d'être bon? Why is he not the champion for women's rights? Pourquoi il n'est pas le champion des droits des femmes ou bien pour mettre un terme à la ségrégation? Because it was not the issue of society at that time.
C'était pas la question de la société, là. So, there seems to be il semblerait qu'il y aurait an acceptance une acceptation that Christ can come back. Il y a une acceptation que Christ pourrait revenir et que not going to be completely fixed. Et que ces questions ne seront pas résolues totalement. At least from the perspective of these Adventists. Au moins dans le point de vue de ces Adventistes. If that's the case. Et si ça c'est le cas. What does that tell us about God? Qu'est-ce que cela nous dit that's sur Dieu? It's completely different than we first thought. Je sais pas comment. That's Jonathan. I had that thought earlier on that he changes the level or the condition to be saved. Il a changé les conditions pour être sauvé. So we have this conversation over and over again, Adventists do. Nous avons cette conversation à maintes reprises, les Adventistes, hein, non? We even spoke about it yesterday after the class. On en a parlé hier après la classe. And it's this idea that we have to be perfect before Christ comes. Il nous faut être parfait avant la venue de Christ. And Ellen White talks in those terms. We have to put away all sin. Et Ellen White dit qu'on doit mettre de côté tout péché. So, if you were to believe that, s'il faut croire cela, you have to put away all your sinful behavior. Il faut mettre de côté tous nos comportements pécheurs. How could Christ have come in 1863? Alors comment Christ aurait-il pu venir or en the 1890s? 1893? It would have been impossible. Ça aurait été impossible. En 1863 say, ou dans say, les années 1890. They were then ready by that time. They must have been ready. So, glaube ich, hätten dann argumentiert, sie wären dann schon vorbereitet gewesen. Now, Adventists either don't think or they don't care. Non, les Adventistes ne pensent pas ou ils n'en ont que faire. Because there was still segregation between black and white people. Parce qu'il y avait encore de la ségrégation entre les Noirs et les Blancs. And not only was it there, it was accepted by Ellen White. Et c'était accepté par Ellen White, en plus que c'était là. I'm not saying she says it was good. Je ne dis pas qu'elle dit que c'était une bonne chose. But she says we're not going to deal with that. Elle dit on ne va pas traiter de cette question. So either she donc thinks soit, it's not sin. Elle pense que ce n'est pas péché. Which is strange. Ce qui est étrange. Considering her position 40 years before. Si on considère sa position 40 ans avant. Or, ou bien she has this mindset. Elle a cet état d'esprit that Christ can return, que Christ peut revenir without everything being fixed. Sans que tout soit réglé. And this is an issue that I've been trying to bring into the consciousness of the movement. Et c'est un point que j'essaie de ramener dans à la conscience du mouvement, de présenter à la conscience du mouvement. That strikes against what Adventism teaches. Qui va à l'encontre de ce que les Adventistes enseignent. Conservative Adventism. Les conservative Adventists believe what? Parce que les Adventistes conservateurs, en quoi ils croient-ils? To be sinless and perfect before Christ comes. On doit être sans péché et parfait. They teach this with strong language, they use quotes. Ils l'enseignent avec un langage fort, ils utilisent des citations. If that were true, si ça c'était vrai, they believed that Christ could have come back in this history. Si Christ pouvait venir dans cette histoire. Forget the argument between the conference and Jones. Alors, oublions la discussion entre la conférence générale et Jones. How could, if Jones had
If all the church had said, yes, okay, we'll all repent and be good. Si toute l'église dit, okay, on se repent et on est bon. Do we believe? Est-ce qu'on that croit? Part of that final test. Qu'une partie de ce dernier test. Was going to be that the church was going to tackle the subject of slavery. Et que l'église va aborder le sujet de l'esclavage. The right for women to vote. Le droit des femmes de voter, de pouvoir voter. The acceptance of homosexuals in society. L'acceptation des homosexuels dans la société. No one believes that. Personne ne croit en cela. We have a one-track mind, Sabbath. Ils ont leur esprit est sur le sabbat seulement. Jones has, Ellen White has, the church has. Jones, Athée Jones, Ellen White et l'Église aussi, leur esprit so sur le sabbat. Either, donc soit, we believe that God thinks it's okay. Nous croyons que Dieu pense que c'est bon, ok. And it's crazy people like Martin Luther King that think it's not. Et les personnes folles comme Martin Luther King pensent que ce n'est pas une bonne chose. Or, ou bien, God is willing to bring the controversy here on earth to a completion, to an end. Et Dieu veut donc emmener cette controverse qui se passe sur la terre, il veut la finir. With things still not completely resolved. Alors que les choses ne sont pas complètement résolues. And that resolution therefore must continue. Et cette résolution doit continuer. Later on. Plus tard. An Adventist would not believe that. Et l'Adventiste ne veut pas croire en ce modèle. You have to ask yourselves whether which model you believe in. Et vous faut vous poser la question quel est le modèle que vous croyez. Because if Christ had come back then, parce que si Christ était revenu là, you can see the mess that society is in. Vous pouvez voir le désordre dans lequel se trouve la société. Therefore, either you say it's a mess and he's going to allow us to go to heaven with that mess. Donc soit that vous dites mess, que that c'est mind, un dégât donc dans l'esprit des gens et qui nous permet d'aller au ciel avec cela. Or it's not a mess. Ou ce n'est pas perfectly acceptable. Ça veut dire que c'est mistreat black people. Donc c'est ça veut dire que si c'est pas du désordre que c'est acceptable parfaitement de maltraiter les noirs. To abuse women. Ou d'abuser les femmes. Either God finds that acceptable, which means it's righteous to do that. Donc soit Dieu le juge comme acceptable, donc c'est juste de le faire. Or, ou bien, he's willing to return. Il est consentant à revenir. Before everything is completely fixed and sorted. Avant que tout ne soit résolu et réglé. So you have to make a decision for yourself which view you have of him. Alors, il vous faut vous faire une conception de vous-même. Quelle vue you know vous faut décider quelle vue that? Vous avez de Christ. It's the latter. La, he doesn't pour find moi, c'est any dernière. Of this acceptable. However, aucune de ces choses acceptables. Mais pourtant, finish the controversy on earth. Il est prêt à finir la controverse sur la terre. And tidy things up in heaven. Et régler les choses au ciel. And tidy the loose bits. I don't mean to minimize things when I say it that way. Et je ne veux pas minimiser les choses quand je le dis de cette façon. He didn't return. Il n'est pas revenu. Time continues. Le temps a continué. What must continue then? Qu'est-ce qui doit continuer là alors? It's not the creation. Ce n'est pas la création. It's the. C'est. Not the creation. It's redemption. The glory. The glory of God is revealed in the creation and. La gloire de Dieu est révélée dans la création so, et the redemption la, has not la, redemption, been completed la rédemption n'est pas achevée in the 1860s.
Dans les années 1860. Christ could have come. Donc Christ aurait pu in the venir. 1890s. Et dans les 1890. Christ could have come. Christ aurait pu revenir aussi. Redemption has not been finished properly. La rédemption n'est pas terminée correctement. And yet he could come. Et pourtant il aurait pu venir. So, as time continues, alors que le temps avance, what will continue? Alors qu'est-ce qui va continuer? Redemption. La rédemption. Redemption means being brought back to the original intent. La rédemption, c'est ramener dans le contexte d'origine. No racism, no sexism, no homophobia. Pas de racisme, pas de sexisme, pas d'homophobie. And because his return is delayed, et comme son retard est retardé, sa venue est retardée, the process of redemption can continue here on earth. Donc, le processus de la rédemption peut continuer sur Terre. Martin Luther King, donc, he has God's mind. Il a l'esprit de Dieu. So therefore, he's going to be a key player in the story of redemption, or in the process of redemption. Donc, Martin Luther King a l'esprit de Dieu, donc il va être un acteur phare dans ce plan de rédemption. I haven't finished my thought, but I want you to. C'est pas you... fini ma pensée. Yeah, I was just going to ask, how do you get redemption to be all these anti-slavery and all of that? Because normally people would say, oh, it's just how Christ died for me. Comment on peut avoir ce plan de rédemption dans... So how Christ died for me. Alors, la façon dont Christ est mort pour moi. I accept Jesus' love. Il a été pardonné, j'ai été pardonné, j'ai accepté l'amour de Dieu. I'm not following the golden rule. Je n'ai pas, I have a right to vote. Je n'ai pas suivi la règle d'or. J'ai le droit de voter. I have a right to forge my own future. J'ai le droit de me battre pour mon propre future. To create my own future. J'ai le droit de créer mon propre futur. You don't. Mais toi pas. That goes against the Declaration of Independence. Ça va contre la Déclaration d'Indépendance. You don't even have any rights. Nous n'avons pas des droits. You don't. I'm pointing to Sister Tamina because she's a woman. Je le pointe à Tamina parce que c'est une femme. You don't have any rights. Femme. I have the rights. Tu n'as aucun droit. C'est moi qui les ai. How can that be redemption? Alors comment ça peut être de la rédemption? How can it operate that way? Alors comment on peut opérer de cette façon? You don't have a right to self-determination, and I do. Tu n'as pas le droit de déterminer les property, choses et moi je. Tu peux acheter des propriétés, pas toi. And we call that redemption. Et on appelle cela la rédemption. It can't be. Ça peut pas être le cas. We have a completely wrong perspective. Nous avons une perspective tout à fait fausse. I say we do. Je dis nous I avons. Say we have a wrong perspective. Je dis que nous avons une fausse perspective. But you ask Adventist women today. Mais si vous posez la question aux femmes adventistes aujourd'hui, even the ones that enjoy submission, même celles qui aiment la soumission, even the ones that think it's like heavenly to wear skirts, et même celles qui pensent que c'est céleste de porter and they're des doing jupes, God's service, et qu'on sert Dieu, they have become so modern, elles sont devenues si modernes, that they would not tolerate living in a society 200 years ago. Elles ne vont pas tolérer vivre dans une société il y a 200 ans. And if they were honest about their own thinking, they would agree with that. Et si elles sont honnêtes avec leurs propres pensées, elles seraient en accord avec ça. They would not tolerate the life of a woman 200 years ago. Ces femmes n'auraient pas toléré la vie d'une femme d'il y a 200 ans. They had this fairy tale picture that it was good then and it was not. Elles ont cette image de conte de fées que c'était vraiment bien à cette époque, alors and que c'est pas le cas. Still hold to, headship and et même si elles sont skirts, d'accord etc. avec le fait de porter des jupes ou le modèle patriarcal, perspective, dans le point de vue conservateur, they still know they have rights. Elles savent qu'elles n'ont pas des droits là, dans cette and those période. Rights were given to them et ces droits leur ont été donnés by Christians, par des chrétiens,
who understood how redemption works. Qui ont compris comment la rédemption fonctionne. Brother Jonathan. Jonathan. Okay, I'm sorry. So, Christ didn't come. Christ n'est pas revenu. Time moves on. Le temps a avancé. The process of redemption. Le processus coming back de la... to your original state has to continue. Le processus de la rédemption pour nous ramener donc dans notre état d'origine doit continuer. You get educated on earth and in heaven. On est éduqué sur terre et au ciel. It's a seamless process. C'est un processus sans péché. The issue of segregation gets fixed. La question de la ségrégation est réglée. And then the feminist movement comes. Ensuite, le mouvement féministe arrive. And the whole issue about women's rights. Et toute la discussion autour des droits des femmes est Now, abordée. Is this a political subject or a religious subject? Alors, est-ce un sujet politique ou religieux? Because Future for America would have you to believe this is only a political subject. Parce que FFA voudrait que vous croyiez que c'est un sujet politique. How can that be? Comment cela peut-il être? God created man and woman equal. Quand Dieu a créé les hommes et les femmes égaux. At the beginning. Au commencement. And if we're going to go back to creation. Et si on doit retourner à la création. We have to have that same model. On doit avoir ce même modèle. Not only in our diet. Non seulement dans notre alimentation. Mais dans notre comportement. Not only in our behavior. Et non seulement dans in notre comportement, mais dans nos relations les uns avec les autres. And therefore, human equality donc l'égalité humaine becomes a religious subject, devient donc un sujet religieux not a political one. Et non pas politique. So it's incorrect to say that we are becoming a political movement, not a religious one. C'est incorrect de dire qu'on est devenu un mouvement politique et non pas religieux. We know that this world is organized. Nous savons que ce monde est organisé, ordered et by ordonné par les gouvernements. And there should be a separation of church and state. Il doit y avoir une séparation Église-État. This began 2000 years ago. Qui a commencé 2000 ans. When Christ separated the church from the world. Quand Christ a séparé l'Église, the church was the Christian church. The separation is l'Église chrétienne et Rome is well defined. Et cette séparation, elle est très bien définie. And yet, et pourtant, the governments of the world, les gouvernements du monde, need to adhere to religious principles. Les gouvernements du monde doivent adhérer à des principes chrétiens. Because people have to be redeemed. Car les gens doivent être rachetés. You cannot have redemption unless you have equality. On ne peut pas avoir la rédemption to sans l'égalité. The government has to change its perspective of right and wrong. Pour avoir l'égalité, les gouvernements doivent changer leur vision de ce qui est bon ou mauvais. Is just completely a flawed or wrong model. Et de dire que ce mouvement est politique, c'est un mauvais modèle. De dire cela would be saying that the movement that Martin Luther King c'est dire cela, c'est dire aussi que le mouvement de Martin Luther King was the champion of dont il était champion that God was not in that que Dieu n'était pas dans ce mouvement that it was just some political movement by some black people
C'est-à-dire que c'était un mouvement politique conduit par des Noirs. And obviously some white people that saw it the same way. Et les Blancs diraient la même chose. I don't know how people can believe that. Et je ne sais pas qui peut croire ça. Because it gets really personal. Car c'est devenu très personnel. Because these same people, ces mêmes personnes, wouldn't allow men to abuse their daughters. Ne vont pas permettre que les hommes abusent leurs filles. They would say that young women have rights. Ils vont dire que les jeunes filles ont des droits. For instance, par exemple, to sleep with a young woman, de dormir avec une jeune fille who's underage, qui est adolescente. Whether it's consensual or not, que ce soit consensuel ou pas, ou consentant ou pas, is considered to be rape. C'est considéré comme un viol. If you go back a few centuries, et si vous retournez quelques siècles auparavant, even if you go to some societies today, et même si vous allez dans certaines sociétés aujourd'hui, they didn't believe that. Ils ne croient pas en cela. They thought it was okay. Ils pensent que c'est they une thought bonne it was chose. Okay. You could marry 12-year-olds, 13, 14-year-old girls. On peut marier une jeune fille de 12, 13, 14 ans. All these people, Adventists. Toutes ces personnes adventistes. Who think we've become too political. Qui pensent que nous sommes devenus trop politiques. I'd like to ask them, do they think it's okay to marry young girls that way too? Et je voudrais leur poser la question, est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne chose de se marier à des jeunes filles? For men, to control the life of young girls that way. Que des hommes puissent contrôler la vie de ces jeunes filles de cette façon. Because the only way that has been stopped. Parce que la seule façon que cela a été arrêté, c'est par des personnes knew God's qui savaient, mind. Qui connaissaient l'esprit de Dieu. And that struggle. Et cette lutte. Had to be made in the political arena. Et cette lutte doit être menée dans l'arène politique. All you wanted to. But the church doesn't make law. On peut l'emmener le cas à l'église, mais l'église elle ne fait law. Pas des lois, c'est les politiques. And so they had to be lobbied. Et ils doivent être lobbying. They had to be persuaded. Ils doivent être persuadés. So I want us to see et il faut qu'on voit that this concept of creation and redemption, ce concept de création et de rédemption, is the revelation of God's mind. C'est dans la révélation de Not l'esprit de Dieu. God that lives in heaven, non pas le Dieu qui vit au ciel, but God who lives here on earth. Le Dieu qui vit ici sur terre. We call them human beings. On les appelle donc les êtres humains. Who are created qui ont été in the image of God. Dans who l'image have de his Dieu. Mind. Qui ont l'esprit de Dieu. Let's pray. On prie. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. Help us to understand the process of redemption and salvation. Aide-nous à comprendre le processus du salut et de la rédemption. Help us to understand our part. Aide-nous à comprendre notre partie. The work that we have to do. L'œuvre que nous devrions faire. May we not ignore the things that are around us. Que nous ne puissions pas ignorer les choses qui se passent autour de nous. May we not be afraid to speak the truth. Que nous n'ayons pas peur de parler, de dire la vérité. That each of us has the courage. Et je prie que chacun d'entre nous puisse avoir le courage to stand up de se lever and to make change happen. Et de faire qu'un changement se passe. In our lives, dans notre vie, in our family, dans notre famille, in our local group, dans notre groupe, les groupes locaux, and in this movement, et dans ce mouvement, before we go to the
the Levites and the Nethinims. Avant que nous allions dans les vers les Lévites et les Nethiniens. We pray for strength and wisdom. Nous prions pour la sagesse et la force dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.